Eh ben, c'est une belle, enfin, c'est une belle école, hein. Il faut une porte au niveau du pont. Si seulement je comprenais ce que tu me disais, en fait. C'est dur. Machin, il va se réveiller, tant pis. On est bientôt à la fin, de toute façon. Belle école, hein. Cet élixir est sacré! Râtelier d'armes, chambre de la vérité, chapelle de héros. Alcool et chapeau de parcophyte. Alcool, chapeau de parcophyte et cornes de licorne. Ça fait un distillat démoniaque. C'est très bien. On a faim. Eh ben, prenez cette gaufre. Ami Orc. Un livre dévoreur d'enfants. Parfait, ça. Un autre faune. Sauf que ce faune, il vit là. Voilà. Ursula Yokai. Lol. Disciple de l'ombre et gothique. Cohérent. Courageux, prosaïque, claustrophobe. Brillant et prosaïque, très bien. Chaotique, boom. Cher chaman orc, retardez l'invasion du seigneur du mal. Pas grand chose, je l'accorde, mais juste ce qu'il faut. Un alambic. Un truc qui se déplace et qui nettoie les salles que ça traverse, c'est adorable. Pierre philosophale. C'est la fin de toute façon. C'est la fin de ce niveau. Celui à baldaquin. Hein. C'est la fin. L'armée des ténèbres arrive. C'est la guerre. On doit être passé à gauche des salles sur deux étages. Et il faut que la salle du deuxième étage puisse ouvrir vers la gauche. Donc il faut mettre deux salles différentes l'une sur l'autre avec un espace de libre sur la gauche. Sur deux étages. D'accord, je vois. On veut nos diplômes avant de partir, on n'a pas travaillé pour rien quand même. Eh ben, allons-y. Plus 2, calligraphe, c'est très bien. Professeur de magie, c'est très bien. Ghoul, très bien ça. Professeur de magie, c'est très bien. Aventurier, recommence. Bibliothécaire, c'est bien. Maître assassin, c'est très bien, mais non. Maître assassin, dommage. Métamorphe, chaque saison, recevez 2 manas de la nature. Lol. Érudit, c'est bien. Artisan, c'est très bien. Diablotin, réduit de 1 le coût des cartes de l'ombre. Voir ce que tu peux faire. Assassin, tant pis. Croque-mort, non. Professeur de magie, très bien. Aventurier, non. Artisan, non. Tailleur de pierre, non. Bibliothécaire, c'est bien. Mage de village, non. Sbire, oui. Berger, non. Jardinier, oui. Maître des potions, oui. Liche, oui. Prêtre ritualistique, non. Érudit, excellent. Maître des potions, oui. Mort. Mélanie Villebrequin. RIP. Bibliothécaire, tout va bien. Professeur de magie, jardinier, aventurier, tant pis. Mage de... En fait, je prends les... pourquoi je prends les trucs à 1%? Parce qu'il faut... La dernière vidéo que tu as publiée ne fonctionne pas.
Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ça raconte encore? Vidéo Milo 2, elle marche pas. Alors j'ai demandé à YouTube s'il voulait bien virer les 7 minutes de noir de fin à la fin. Donc c'est foireux du cul, mais on recommence. Alors, veuillez m'excuser, c'est le taf. Donc YouTube c'est de la merde, hein. Ils essaient de nous faire croire, oui, on a le nouveau créateur studio. Il est incroyable, le créateur studio, le créateur studio. Sauf le créateur studio, c'est la pire bouse. Accéder à la version classique. Oui, mais elle sera bientôt plus disponible. Eh ben. De la belle merde en boîte. Maintenant, en plus, elle fait 40 minutes, donc elle est bien coupée. Impeccable. Allez, supprimer. Pouf. Hashtag, on reprend les mêmes et on recommence. Importé avec la version classique, fils de pute, je ne fais pas confiance au nouvel outil de mise en ligne. Voilà. Sortir ce dimanche à midi. Miniature personnalisée. Ah ben justement, quelqu'un m'a envoyé une miniature qui était impeccable. Je vais l'utiliser, tiens, pour la peine. Je m'excuse. La miniature qu'on m'a envoyée, c'est celle-là. Regardez ça. C'est pas fantastique? C'est fantastique. Moi, je trouve ça fantastique. Elle fait 100% le taf. Elle est fantastique. Du coup, voilà. C'est réglé. Donc, j'accepte ce destin. Démoniste, démonologie, oui. Nouveau professeur, un plus de chance, plus d'être pédagogue, oui. Berger, oui. Aventurier, jardinier, ok. Oui. Non, jardinier, non. Érudit, oui. Érudit, oui. Oui, non. Oui, oui, non. Oui, non. Oui, non. Oui, non. Oui, non. Oui, oui, non. Oui, non. Oui. Oui. Alors pourquoi je prends les trucs à 1%? Genre, par exemple, regardez, ça me donne 50 mana d'ombre, mais ça se transporte pas sur la prochaine map. Ça sert à rien. Ça me donne juste le petit bonus qui est utile pour cette partie, mais pas pour la prochaine. Mais quand je relance, bon, là ça marche pas. Là ça marche pas. Là c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Parce que c'est ponctuel. Ça c'est bien. Parce qu'en fait, sur toute ma campagne,
eh ben, la vitesse d'apprentissage de la démonologie, elle est à plus 1% maintenant. Et à chaque fois... belle pleine lune ce soir. À chaque fois que un élève graduate, qui gagne son diplôme, eh ben, ce pourcentage s'ajoute à tous les autres. Donc voilà. Comment ça, vous voyez rien? Mais si, vous voyez tout. Cassez pas les couilles. Alors, très bien. Pack. Pack, tant pis. 0,5% d'efficacité des ateliers d'enchanteurs. Pourquoi pas? Non. Réduit de 1 le coût de carte de l'ombre. C'est pas top, mais bon. Ok. 5%. Ouais. Tous les nouveaux professeurs ont 1% de chance d'être plus pédagogue. 1% de chance d'avoir le trait travailleur. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Paysan, c'est quand ils ont rien à apprendre. Du coup, je perds du prestige, mais bon. Tant pis. Hop, non. 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 Non, non. Non. Putain, c'est détruit, hein. Ok, c'est bon. Tous les élèves ont été rangés. Et il faut fuir, car les armées des forces du mal arrivent pour détruire l'école. Dommage, hein, c'était un beau projet. Ok, donc le prochain, on va s'installer. Les falaises, c'est là où les démons ils arrivent plus vite, mais on peut y croire. Et maintenant, on a un livre level 3, nouveau grimoire. Grand livre des rêves. Dans les dortoirs et les chambres privées, vos étudiants perdent un peu de faim et d'ennui. Les scriptoriums uniques, 15% d'efficacité, toutes les salles de la même rangée. Commencez chaque niveau avec un scriptorium runique, c'est pas mal du tout. La pédagogie des professeurs est toujours d'un niveau plus élevé que d'habitude. Ça, c'est pété. Ça m'a l'air pété. Excusez-moi, le chat est en train de poupe. Je prends le... Alors, les besoins de vos étudiants augmentent plus souvent par à-coup. Augmentent de 150% les frais d'entretien de l'université. Cool. Vos nouveaux étudiants sont en général plus pauvres que d'habitude. Bah, c'est fantastique, ça. L'université, ça coûte rien à entretenir. Impeccable. Prison, cher, bouclier. Puis la bibliothèque, pioche à la carte. Grimoire. Quête, appartement privé, appartement privé. Et ben, vas-y, fais caca. Je prends bibliothèque et grimoire. Ok. Voyons voir les maisons qu'on peut donc créer. Initial alchimie, donc on peut avoir une belle maison d'alchimie. Petit dormeur, sage. Sage, c'est bien. Donc trouvez-moi un nom à la con. Il n'y a pas forcément quelque chose à voir avec l'alchimie, mais quand on se marre. Hop. Le petit caca chaton. Allez, profitez pour aller pisser. Alors, les hydroalcooliques, les imbibeurs. Alors, les imbibeurs. Alors, il faut trouver un nom à la Serpentard ou les choses comme ça. Cerdoplouf. Imbibeur. Imbibus. Ou un jeu de mots comme un autre Pokémon. Imbibeur. À quel animal on associe ça? Les imbibards. Imbibards, j'avoue, c'est fumé. Elle est vendue pour un bibard.
C'est... J'avoue. Oh, il faut reconnaître que c'est plutôt une boisson de moustachu. Assez. Vas-y, asperge-le bien. Faut que ça s'imbibe. T'as caché le bot tout à l'heure. Tout le monde t'a vu. Quel bot? J'ai pas compris la blague, je suis désolé. Elle est vendue. Vas-y, asperge-le bien. Faut que ça s'imbibe. Alors, est-ce qu'on aimait sage ou ambitieux? Je vais dire sage. Ouais, deux fois moins de bêtises, ça permet de gagner temps fou. Vous serez focus seulement sur les arcanes. Pardon, sur l'alchimie, pardon. Vous allez vous focus sur l'alchimie, mes enfants. Ok, signé et validé. Ensuite, nouvelle maison. Nous avons érudit des arcanes, très bien. Et élu de la lumière. Oh! Eh, d'avoir les deux en même temps, c'est pas mal. C'est pas mal. Quoi, je me demande si on met les deux en même temps, ou si on... Mettre les deux en même temps, c'est un peu de risque, mais... Donc disais-je. Inébranlable, santé mentale, beau c'est bien. Ou alors on absout les arcanes et on fait sportif et élu la lumière. 25% de vitesse de déplacement en plus, c'est pas rien. Bob, tu peux remettre l'écran s'il te plaît? Tu me trolles. Il y est l'écran. Tu crois que je vois pas OBS sur ma gauche? Sois pas un débilus. C'est bien de mettre deux classes en même temps. Pour faire une Spearman, une Spearman en fonction de ce que tu pioches. Ok, ouais, bah écoute, ça m'a l'air intelligent. Donc maintenant, il va falloir trouver un symbole qui va bien. Parfait ça. Alors, hypocrite, lol. Rien à voir, très bien. T'es grillé, ok, très bien. Illumination, référence à Simon Félix dans Demolition Man. C'est marrant parce que moi ça me fait penser à l'illumination dans Les Enfants de la Pluie. Or, falaise, le Palladium, Magica Vult, Théos Vult, la secte. La secte, j'aime bien, elle est vendue. Quoique non, il faudrait que ça ait une vraie nom de maison de Poudlard. Palarbin, Palladius Maximus, faut faire un hypocrypte. Alors hypocrypte, ce serait pour les, ce serait pour démonistes, si tu veux. Là, tu vois, si je dis un bibar, faites en sorte que ça finisse par or, peut-être. Secte abuse. J'aime beaucoup secte abuse.
Mange. J'aime bien c'est que t'abuses. Allez. Y a pas un piaf du coup. Les sectes abusent, c'est une buse. Pardon. Du coup, on va leur mettre des, quand même des tenues. On va mettre des tenues orange, tiens. Comme ça, on comprend. T'abuses un peu avec ce nom. Ah non, mais tout à l'heure, on a eu les. Comment ça s'appelle les tafioles. Mais tout attaché avec un F majuscule pour les alchimistes. Incroyable, je vais enfin rentrer dans, dans l'école légendaire de l'Arpou. Je me demande ce que le choix pauvre... Ta fiole. Et allez. Direct. Et le mec direct, on lui met une éprouvette dans les mains. Alors, j'ai lumière, arcane et alchimie. Allons-y. Salle de l'ombre, pas de chance. Nouvelle maison, pourquoi pas. Portrait du moine, non. Bon, on va prendre la nouvelle maison, on sait jamais. Salle d'alchimie, c'est un bon début. Salle d'alchimie level 2, c'est un moins bon début. Mais on a double dortoir, et ça par contre, c'est plutôt confort. Ce sera utile. Foyer des élèves, nouvelle maison, armée bouclier. Pas beaucoup de chance. Salle des profs, c'est un impératif à l'avenir, ok. Appartement privé, faut une chambre privée. Appartement privé pour les profs, essentiel. Et là, du coup, je suis un peu échec et mat, je dois le dire. Alors, j'ai une salle d'alchimie, tu me diras, c'est un début. Quoi qu'il y ait une bibliothèque dès le début, hein. Bla. Salle d'alchimie, hop. Pédagogie correcte, pédagogie excellente. Tranquille, donc elle fait perdre 10%, mais amorphe, elle va lentement. Tiens, sympathique et ventre rebondi. Et sa pédagogie est correcte. Mais elle fait que plus 10%, mais elle est amorphe, ce qui me dérange. On va prendre Harold de Moumoun. Oh, quoique Juliette Herminus, non mais Juliette Herminus est trop bonne. Faux. Appartement privé, donc ça c'est pour les profs. Et malheureusement, on ne disposera pas tant de place que ça, mais il faudra la jouer intelligemment, il faudra la jouer intelligemment. Là. Double dortoir. Ah, c'est pas ce que je voulais mettre comme ça. Je me suis trompé, mais c'est pas très grave. Peut-être un réfectoire là, du coup. Boum.
C'est le mieux. La nouvelle maison, on peut la claquer maintenant. Disciple de l'ombre, ah d'accord. Beau, gourmet, sportif. Sportif, c'est bien. Populaire, ambitieux et disciple de l'ombre. Alors, comment ils appellent ceux-là? Les Wahhabites. Je déconne. Un truc trop violent. Disciple de l'ombre. Pardon. Je cherche. Je cherche. Merci. Trempe la mort, les mange tes morts, les nyctalopes, les hippombres, les viols de mort, les chechnous manciens, les tchétchènes manciens, les émouras. Dudu, tu choisis. Parce que moi j'avais fourbe à pute. Mais faut. Hypocrypte, c'est pas mal, hein. Bah mec. Balkanor, j'aime bien mes fourbes putes, ça passe tellement, j'avoue, hein. Mais hypocrite, c'est là. Pardon, je rigole d'avance avec un... Quel est ce Pokémon? Ça spamme pas assez les noms, j'avoue. Mais va pour fourba putain. Quelle couleur le chat? Noir. Hein. Ah, c'est pas mal comme ça. Ça laisse le mystère. Très bien, disciple de l'ombre et sportif, ok. On leur interdit tout, à part l'ombre. Et éventuellement un peu d'alchimie s'ils se sentent, mais vraiment. Ok. Très bien. Maison fourbe à pute, mon gars. C'est ma maison, ça. Elle est garantie. Alors, attends, bureau du directeur. T'as dit passer les inscriptions à $30. Dortoir payant, repas payant. Étudiant issu d'une famille noble. Obtenir le soutien d'un mécène. Discipline stricte.
Quoique discipline raisonnable, on est bien. Parce qu'on est gratuite, on est bien. Paf, et après l'inscription gratuite, claque les nouveaux élèves. Voyons voir. Très agressif et lâche. Orphelin, mais travailleur. Orphelin, c'est si cet étudiant venait à mourir, vous perdez pas de prestige. Mais il est malin. Il est neutre mauvais. Et il est lâche. Fourbe pute. Irène Nosrov. Oh, je vois beaucoup de magie en toi. Je vois de la verdure, de la salade, et le fait que tu sois bavarde en classe. Oh, chiotte. Oh, échalote. Courageux, sage. Te déplace assez lentement, mais apprends la magie des arcanes à une vitesse absolument insignifiante. Un choix difficile. Un bibard. Oh, malin, aisé, gros dormeur, sec, t'abuses. Travailleur lâche, chaotique, mauvais, un peu lent, fourbe pute. Les bavardes, c'est auto-denier, ouais, Duaner. Parce qu'en fait, ça fait baisser le taux d'apprentissage de tous les élèves dans la classe en même temps, et c'est cumulatif. Et si ton prof est bavard, c'est mille fois pire. Donc c'est pas une bonne stratégie de jeu. Alors par contre, on commence, on est mal. Hein. On a une salle de classe et c'est marre du coup. Donc on commence là, je vous avoue, on n'est pas bien. On n'est pas bien. On va baisser le coût de l'inscription, voilà. Une bonne nouvelle, une bonne école pour notre royaume. Je voudrais une salle choisie par les architectes. Atelier d'enchanteur, voilà, ça c'est bien. Et arène d'assassin, c'est quelque chose, tu vois. C'est un début. Même si l'arène d'enchanteur, ça fait le taf, mais bon. Arène des assassins, voilà. Ça permettrait aussi de commencer à construire l'école par ici aussi. À moins que les assassins, on les mette juste au-dessus de ce réfectoire à l'infini. C'est-à-dire, ça monte. On fait que les salles au-dessus, en fait. On met tous les assassins là. Enfin, tout ce qui est truc démoniaque là. Parce que là, je veux mettre de l'alchimie, si tu veux. Donc ouais, on va les empiler au-dessus. Impeccable. Alors, pédagogie correcte, syndiqué, oui, ça veut dire qu'il coûte plus cher. Vieillard, il est très lent, prétentieux, il casse les couilles de tout le monde. Sportif, il va plus vite. Sagesse ancien, il enseigne bien. Pédagogie bonne, inspirante et tranquille. Les élèves apprennent 10% moins vite, mais sa pédagogie est bonne. Ce qui la contre son propre défaut. Et au final, elle coûte pas grand chose et elle fait le taf. Très bien. Ils sont déjà en train d'étudier en salle d'alchimie, ce qui est une bonne nouvelle. Nouveaux élèves, excellent. 7 candidats restants, très bien ça. Appliqué, 10% de mana supplémentaire en étudiant. Ringard, perd plus rapidement sa santé mentale. Normal et pauvre, je gagne mon 25% d'or en moins. Mais Paul Norjan, un biba. Sage et travailleur, amorphe et prétentieux. Apprends toutes les magies 10% plus vite. Malin, ça c'est bien ça. Fourbe pute. Disciple de l'ombre, amorphe et lâche. Fourbe pute. Enfant de la nature et beau et gros dormeur, mais un peu lent. Loyal mauvais. Imbibard. Chaotique mauvais, brillant et pauvre. Fourbe pute. Fourbe pute. Fourbe pute. Bonjour, hein. On est des gens du coin, on veut pas de problème chez nous, on est même moyen les étrangers. Hein. Vous venez faire quoi ici exactement? Et ben ici, on est là pour... Ah, de la mana de la lumière, ça me permettrait d'avoir une première classe de la lumière en fait. On est là pour enseigner la lumière, lol. Yes, cloître des justes, la chapelle des héros. Héroïsme, magie sacrée. Voilà, et on va installer tous les trucs de magie de la lumière ici. Là, ce sera enchantement, la magie de la lumière, pédagogie médiocre, bavard, inacceptable, même si elle était la chiasse absolue, on la prend. De l'argent. Ah, qu'est-ce qu'il dit? C'est toujours une bonne nouvelle pour nous à la guilde des aventuriers d'avoir des mages. Quel genre de mage vous formez?
des mages qui font péter des trucs. Chapeau magique. Les professeurs actifs dans cette pièce ont une chance d'améliorer leur pédagogie. Chambre des démons et armes et boucliers. Chambre des démons, en réalité, c'est assez confort, je dois le dire. Parce que ça permet d'apprendre la démonologie. Alors, ventre rebondi et prétentieux, gourmet sympathique, pédagogie correcte, pédagogie bonne, exigeante, bavard. Ah, dommage, madame Futark. Excellent. Chat de sorcière. Réduit tous les besoins des personnages travaillant dans la même salle. Oh. Baignade de village et réfectoire pour avoir plus de bouffe. Mais chat de sorcière. Qui va se promener. Voilà. Plus qu'à espérer qu'on y arrive. Hein. On dispose de peu de temps et il nous faut énormément d'argent. Il me faut les étudiants les plus riches. Voilà, c'est ça. Excellent. Alors. Par Odin, donnez-nous tous vos biens. On pillera votre monastère comme on en a déjà pillé des dizaines. Mais on n'est pas un monastère. Ah merde! Vous êtes quoi? Une sorte d'école? C'est vrai que vous avez l'air moins nul que les moines. On pourrait s'entraider comme un tribu par Heimdall. C'est vrai, pour y être des super alliés. Mais il faut être level 90 et donc il faut leur apporter plein d'or. Arnold Long du Disciple de l'Ombre, un peu sournois mais riche. Fourbe à pute! Sportif, gourmet et lâche. Mais le fait qu'il soit sportif, il se déplace bien vite. Ça, c'est cool. Tu seras... Sectabuse! Populaire, glouton et brut, un peu lent et pauvre, chaotique, bon. Sectabuse! Enfant de la nature, gros dormeur et prétentieux, il est pauvre et un peu lent. Secpa! Courageux, très agressif et prétentieux, normal et médiocre. Un bibard! On va aller à la guilde des aventuriers. On est dans le même camp, on pourrait pas nous filer un peu de pognon? Merci. Je me prends un malus de moins 10 auprès de la guilde des aventuriers, mais j'arrache un peu de blé. Je dis ça, je dis rien, mais j'ai vu de nombreux élèves et ils font du bruit et j'ai du mal à travailler, c'est très agressant. Je vais faire forger des chaînes ensorcelées, ça leur apprendra. Ouh, voilà qui devrait les garder sous contrôle. Deck des ombres, lit dévoreur d'enfants, composant ritualistique et chambre des démons. Chambre des démons, malheureusement j'en ai déjà une, mais on peut l'améliorer. Libre des enfants. Les professeurs actifs dans cette pièce ont une chambre générée des cartes composants. On va prendre ça. Voilà, et tous les professeurs en salle de repos vont générer des composants. Je peux invoquer une deuxième carte démoniaque. Conciergerie, excellent. Parfait. Vent, débranlisé, exigeant slash, ponctuel et résilient, très bien. Impeccable. Astrid Nani, inébranlable et travailleuse, associée à les gros dormeurs un peu longs et pauvre chaotique. Imbibeur. Enfant de la nature et claustrophobe. Secte. Tu peux voir, normalisé. Secte abuse. Érudit des arcanes et passionné. Secte abuse. Même si on n'a rien à leur proposer pour l'instant. Salle de la nature, merde. Psychologue et réfectoire, putain. Psychologue, réfectoire, on améliore le réfectoire. Pour l'instant, je dis, on est mal. Même pas l'argent pour financer ça, donc tant pis. Bon, il y a un peu de magie de la lumière qui se fait apprendre, et ça, c'est la bonne nouvelle. Super. Chambre de la vérité et lit de la repentance. Eh ben écoute. Chambre de la vérité. Et ça ne peut se faire que de gauche à droite ici, d'accord. Donc note à soi-même, je dois la mettre là si je veux être la moindre efficacité. Chambre de la vérité, pédagogie correcte, syndiqué non, vierge, bavard non, tranquille, lâche, inspirant, pédagogie bonne. Eh ben on a que des bonasses dans ce lycée, putain.
Oh, de la repousse, ça déconne zéro. Il est branlade et hyperactif, c'est bien. S'il est hyperactif dans ce cas-là, on va le mettre... Un bibard. Érudit des arcanes, travailleur, bibliophobie et laid, mais c'est pas grave parce que tu es sec, t'abuses. Très bien, génère de l'alcool, génial. Le cochon d'Inde est prêt pour qu'on aille communiquer avec des gens. Avec qui veut-on aller communiquer? Le bastion royal, peut-être, histoire de lui demander du pognon. Le roi. Doubler les taxes! Tripler les taxes! L'université a besoin de pognon! Voilà, merci. Il y a des gens, ils travaillent dur et c'est difficile. Ok, très bien. Piocher la carte bûcher. Plus de chances de devenir bon et d'apprendre un trait qui lui permet d'avoir la lumière. Ok, très bien. De l'alcool et de la plume de Mirail. On a réussi à développer ça. Premier printemps. Carte démoniaque, l'arène des assassins ou la crypte. On dispose déjà de l'arène des assassins, c'est la crypte que nous l'on souhaite. On peut l'empiler au-dessus. Ça va être là si tu veux aussi. Bon, on peut l'empiler au-dessus. Impeccable. Pédagogie médiocre, pédagogie médiocre. Eh ben putain. Ventre rebondi au consternateur, vieillard prétentieux, et ben rendu. Alors, ringard bavard. Bonne nuit, Dudu. Église de la lumière, cloître des justes. Mais on l'a déjà, putain. Chambre de la vérité, mais on l'a déjà. Oh là là. Quel enfer. Salle des arcanes, enfin. Enfin, on discute. Alors, foyer des élèves aussi essentiel. J'attends encore un peu. Je suis ravi pour vous. Voilà. Ça génère de la mana de l'ombre. Conciergerie d'Amit. Et la crypte. Atelier des potions, enfin. Voilà. Bonne pédagogie excellente. Mais c'est un vieillard, il est super lent. Oh mais il a pédagogie excellente et plus 10%. C'est juste qu'il rame du cul. Allez, je le prends. Faut absolument que j'installe un truc de comment ça s'appelle, d'alchimie ici. Qu'est-ce que ça dit? Il faut qu'on fasse un nom dans la magie des arcanes, l'école de la lumière, l'alchimie, la magie de la nature. Ah putain, on peut pas choisir les ténèbres. On se fera un nom dans la magie de la lumière, peut-être. Magie et lumière, on se fera un nom dans la magie et lumière, allons-y. On peut communiquer avec des gens. Les pégus. Est-ce qu'on peut faire des choses pour les pégus? Non, on sait pas faire ça, je suis désolé, les pégus. Avec qui on peut communiquer? Qui on peut taxer un peu? On est venu vous aider avec vos vaches. Un petit peu de mana de la nature, boum.
T'as, et là, il y a un portail magique qui est ouvert. Fais quelque chose. Merci, Stéphanie. Un dragon noir. Heinz Assassin et la prison. Le dragon noir, il est là, quand même. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on peut se trouver un arrangement et gagner 4000 d'or? Je pense pas, hein, durant cette matin, 4000 d'or. Quoique si, hein, il faut. Hein. Il faut qu'on le gagne, le pognon. D'ailleurs, en parlant de ça, où est le pognon, hein? Des potions, putain, c'est le même observatoire. Dragon bleu, ça c'est bien ça. Voilà. Appareil à gauche, chambre des démons. On a déjà une, arène des assassins, on en a déjà une, putain. Pas pour l'appareil à gauche, ça calmera au moins les. Ça calmera au moins les orques. On apprend des arcanes. Et ça, Dieu merci, ça rentre. Orientation salle temporelle et salle interdimensionnelle. Qu'est-ce qu'il y a, les paysans? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cassez les couilles? On peut pas vous aider, donc cassez-moi pas les couilles. Ça. Les paysans, ils sont bien. Les orques sont bien. Campement des marchands sournois. Est-ce qu'on a le pognon? Pour demander de l'aide aux peurs des marchands sournois, oui. Je suis intéressé par une nouvelle salle de cours pour 200 balles. Salle de la lumière, ça me parle. Salle des arcanes, j'ai déjà. Salle de l'alchimie. On est d'accord que ça, c'est une salle de l'alchimie. Hein. Ouais, ça y ressemble. Ah, et c'est un cloître.
plume de Miyai. Et alcool. Et fromage, ça fait une potion du vide. Ah ouais, mais ça j'en veux pas. Alors que ça, avec une plume de Miyai, de l'alcool et une corne. Tiens, c'est marrant, je sais pas ce que ça fait. Distillat démoniaque. Bah, très bien. Et bah, vu qu'on n'aura jamais d'autres salles, hop, conseiller d'orientation, bavard, donc non. Voilà. Les aventuriers, on va les voir. Voilà. Atelier des potions, bibliothèque, aïe, aquarium. C'est mieux que rien. Racine de mandragore, fromage et alcool. Élixir sylvestre, 200 de mana de nature. C'est quoi à ce compte-là, je le prends. Serre, étable et cornura sylvestre. Mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Quel enfer. Quel enfer. Un peu lent, disciple de l'ombre, ambitieux, bavard. Non. Un imbranlable, malin, asocial, sage. Un bibard. Beau, closoïque, crostophobe. Il a pas même. Bon, ben un bibard. Travailleur, un peu lent, prétentieux, gros dormeur. Segpa. Okay. Crypte, on l'a déjà une. Le crâne, on l'a déjà une. La tôle, on en a une, mais on n'a pas besoin. On va améliorer la crypte, écoute. Hein. Faudrait des yeux partout. Je claque les cornes du roi sylvestre, mais bon, ça servira jamais à rien. Regardez ça, on est presque à la moitié et on n'a même pas commencé à engranger le pognon, si tu veux. Touche à tout, lâche un peu lent. Eh ben, super, fais ce que tu veux. Sage, prétentieux, pauvre, normal. Hop, travailleur, bavard, claustrophobe, non. Gros dormeurlage, résilient et sage, un peu lent et riche. Merde, je voulais pas faire ça, mais c'est pas grave. Truc d'alchimiste, infirmerie, schéma mystérieux. Truc d'alchimiste, quand il a enchantement et rune au level 1, il fait plus d'alchimie, c'est bien. Reines assassins, tapisserie démoniaque, vautour des marais. J'ai pas la place pour le mettre nulle part. C'est la Zermi, hein. Vitrine des trophées. Machine à fromage. «
Ça pue, le pognon monte, mais on va pas payer ta taxe ridicule. Balles, mais pour une salle de cours, je la prends. Salle de lumière, salle des arcanes, salle de la nature. Putain, échec et mat. Bon, bah, amélioration de la salle des arcanes. Boîte chauffante du menhir, bureau d'orientation, amulette arcanique. Ah, c'est cool ça. Hop. Chambre des démons, pentacle. Voilà. Alambic, observatoire, infirmerie. L'alambic me permettrait de générer des potions plus souvent. Qui sait, ça pourrait sauver. On ne sait pas. Observatoire, ça peut repousser cet enculé de... Ah, on peut mettre l'alambic. Oui, nos alchimies peuvent, vos alchimistes peuvent vous aider, mais il faut filer des thunes. Potion de destruction, écoute, sur ça de prix. Toujours ça de prix. Salle temporelle, salle interdimensionnelle, bureau de conscience d'orientation. On améliore la salle temporelle. Étudiez tout. Laissez l'alchimie aux alchimistes. Laissez la démonologie, voilà, exactement. Et laissez la lumière aux gars. Voilà. Je peux magiquement enlever le gluten des plats. Impeccable. Je peux aller voir les fermiers. Non, la taverne de la guilde pour leur dire que tout va bien. Je vais aller voir le roi pour présenter mes augustes bonjour à sa majesté. Et là, c'est la merde, on est à 50%, on est baisé. On est baisé. Bon, au moins, le pognon monte, hein. On aura l'objectif premier, mais l'objectif second, oh, pouah, pentacle, salle des assassins, tentacules. Alors, appliquer sage, impelant, loyal, bon, aisé. Est devenu prêtre. Héros, super. Nécromancien, très bien. Sbire, écoute. Liche, très bien. Tailleur de pierre, non. Maître des runes, pourquoi pas. Chambre de la vérité, chapelle du héros, archange, j'avais 4.
Enfin, les ailes d'archange, on sait jamais. On sait jamais, hein, il peut se passer des choses incroyables. Elixir sylvestre pour un peu de mana de nature. Un terrarium, ça augmente les compétences en herborisme. Bon. On sait pas quand est-ce que ça pourrait être utile, mais on sait jamais. On sait jamais. Voilà. Ça. Une bibliothèque supplémentaire, un scriptorium runique qu'on a déjà. Un atelier d'enchanteur, on en a pas ça par contre. Oui, on en a pas, enfin! Enfin! Enfin, bavard, donc c'est non bonne procrastinateur, super. On a des vraies écoles, ça y est, ça prend. Il a fallu attendre 50% du temps. Et on n'a pas le huitième du pognon nécessaire pour être pote avec les boucaniers. Quel enfer. Gros dormeur sournois, résilient, un peu lent et aisé. La lumière. Initié à l'alchimie, bah vas-y. Élu de la lumière, bah vas-y. Érudit des arcanes, ah, bah vas-y. Alors, pas besoin de vous écrabouiller, comme ça on est gagnant-gagnant. Tiens, nos alchimistes peuvent fabriquer ce dont vous avez besoin, ce qui fait que vous m'aimez bien. Et du coup, vous allez pouvoir repousser ce fils de pute de Seigneur des Ténèbres. Et ça, c'est quand même offert. C'est quand même offert par la maison. J'ai de l'alcool, j'utilise de l'argent normal. Deck des arcanes, allons-y. Dojo des élémentalistes. Belvédère, oiseau mystique, dojo des élémentalistes. Enfin, de la magie arcanique, sa race. Raisin, présentieux, vieillard, procrastinateur. Impeccable. Bon, les salaires sont tellement chers. Bon, de la gloire en bouteille pour 5 de prestige. Allergique aux crustacés, érudit des arcanes, classe générale. Touche à tout et appliqué. C'est que t'abuses. Magie sacrée niveau 3 héroïse. Hop, mais là on serait au niveau combien? On ne sait pas, on verra bien. Ah, est-ce que je garde le pognon? Il vient nous parler l'enfoiré, mais j'ai pas d'observatoire. Donc cet enculé va me mettre Ricard. Un peu lent, prosaïque, claustrophobe. Donc ni arcane ni ombre, mais résilient. Et ben c'est que t'abuses. Quoique, ouais, c'est que t'abuses. Enfant de la nature est prétentieux, stupide, misérable, on s'en fout, brillant, aisé, allergique au pollen, orphelin et populaire, imbibard. Il va me mettre Ricard, cet enculé, voir ce que je peux acheter là. Appartement privé, réfectoire, machine à café. Et il me met Ricard, j'ai pas d'observatoire. J'ai pas d'astrosame. Aux armes. Et on se fait attaquer par des squelettes à la con. Voilà, c'est bon. Heureusement, la potion a fonctionné, les squelettes sont morts. Tout s'est bien passé. Golem inachevé, réduit les frais d'entretien de toute l'école de 25%. Ça devient un peu intéressant là tout de suite, hein, parce que... C'est pas que... Voilà. C'est pas que ça coûte cher, mais ça coûte cher. Quand des orques. On est amis avec les orques. T'as toujours les frais d'inscription à 15$? Non, non, ils sont à 30. Hein. Ils sont à max. Hein. Je fais tout payer, mon gars. Et c'est un enfer du cul. Loyal bon, mais il est laid. Courageux, gothique, stupide et riche. Ah, et stupide et riche. Et hop. Allergique aux crustacés, mais gourmet. Aventurier, gagné 200 balles. Tu peux rien devenir d'autre. Donc, grand prêtre, très bien ça. Horloger, sans mana d'arcane et sans or. Très bien ça. Mage de village, c'est de la merde. Tailleur de pierre, voilà, on parle.
Terre de pierre, tu aurais rien faire de mieux. Non. Très bien. Toi. Super, on a validé un objectif. Incroyable. Et on est en train de d'y aller petit bain, bon an, mal an, pour la lumière aussi. Hein. Voilà, une place pour le vautour qui leur apprendra de la magie de l'arcane en plus. Parlant de la chine à Crystal Psy. Augmente toute leur activité de 25%. Booste leur activité de 25%, mais aussi leurs besoins. Dans le cloître. Crypte, conciergerie, composante rituelle. Si je mettais une autre conciergerie là, ça en faisait 3, mais bon, ça commençait à faire beaucoup. Là. Voilà. Garde le pognon, on a besoin du blé. Paysan, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il vous faut? Ah oui, mais il va falloir raquer les enfants, j'ai besoin des thunes. Hein. Un lit médical, bannière de l'Inquisition, lit de la repentance. Populaire, sage, trop prosaïque. Impeccable. Bon, quand il y a des sournois. Lorsqu'il y a l'air imbibard, parce que tu seras sage. Initial alchimie, érudit des arcanes. Allergique au pollen, tu seras imbibard. Érudit des arcanes, tu seras sec pas. Gothique, hypochondriaque, populaire et petit dormeur. Voilà. On a le pognon bientôt. Ou en second. Comment ça s'appelle, la carte locale, communication disponible, navire de pirates. On n'a pas le pognon encore. Hein. Si c'est bon, on a le pognon, alors c'est maintenant. Navire de pirates. Oui, on est venu payer un tribut, plus 20. Blah. C'est cher, mais bon. Des nouveaux élèves, l'achat social, mais appliqué. Plus de lumière, élu la lumière et travailleur. Excellent. Enfant de la nature asociale et lâche, mais il est stupidement riche. Hop. Chez les méchants, salle temporelle, fenêtre sur l'autre monde pour augmenter la magie du portail ou cristal psy qui monte de 25% à la vitesse à laquelle il bosse. Voilà. Ils veulent la dîme. La dîme. Ouais, mais on est en train de... On forme des inquisiteurs ici, donc niquez bien vos races. Enfin, très bien. Deck d'alchimie, allons-y. Atelier d'enchanteur, scriptorium runique, infirmerie, quel dommage. Mais bon, l'atelier d'enchanteur, ou le scriptorium, on peut l'améliorer. Regardez ça, ça apprend à donf, là. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Regardez les classes. Vous avez le droit à la magie de lumière. Oui, c'est conseillé. Très bien. Tout le monde bosse la magie de lumière, si tu veux, ici. L'appareil reliquaire. Après la magie de lumière, 50% plus vite. Magie de lumière, 50% moins vite. Ah putain, je peux pas le mettre en dessous. Quel dommage. Mais au moins ça permet à ces gros sacs de profs de pas aller si loin. Voilà, ils vont directement dans le réfectoire. Dieu merci. Toi, normal, médium, comique et glouton, et ben tu seras alchimiste. Ambitieux, travailleur, laid et prosaïque, tu seras les abuses. Ok, la mana est en train d'être faite. Par contre, le pognon, on n'aura jamais le pognon avant la fin du... On va demander aux orques, si vous voulez,
retenir ce fils de pute des ténèbres. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez des machines à café? On va pouvoir en construire une de machines à café. Vous inquiétez pas, madame. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, madame, je vous jure. Voilà, une machine à café supplémentaire. Super. L'alcool pas nécessaire. On engage. Prétentieux, hyperactif, inébranlable et initié à l'alchimie. Bah, c'est fantastique. Comme il est hyperactif, il ferait des bêtises. Mais comme il est sage automatiquement là, c'est gagné. Tailleur de pipe. Non. Apprenti sorcier. Pourquoi pas sbire? Tu peux faire rien faire de mieux, t'es sûr? Nécromancien, voilà, là ça parle. Mage de village, aventurier, ouais. Maître assassin, remet à zéro toute récupération négative et met gagner 200 balles, ouais. Justiciard, ouais. Maître des potions, ouais. Grand prêtre, ouais. Aventurier. Arpenteur, ouais. Très bien ça, très bien. Ah, il faut que je garde mon pognon. Chambre de vérité, réfectoire lumineux de personnel, chapelle du héros. Et ben je vais leur en donner un deuxième, là. Voilà, comme ça le personnel a tous les endroits possibles et imaginables pour se repaître et pour se sustenter. Communication indisponible, putain. Pas la place pour le mettre, quel enfer. Élu la lumière allergique au pollen, il est quoi? Il est malin, allez hop, c'est que t'abuses. Enfant de la nature, Léa sociale et stupide, ça sert à rien. Courageux, malin, aisé, chaotique, mauvais, fourbe à pute, un peu lent, médium message, boost, slash, démoralisé, loyal, bon, et outil des arcanes travailleurs, claustrophobe et hyperactif, très bien. Résilient sage et claustrophobe, très bien. Excellent. On a faim, qui puis-je? Je propose de vous faire des gouffres. Dragon blanc. Ça m'aide pas parce que j'ai pas de... J'ai pas d'emplacement pour les bestioles, malheureusement. Ouais, pas d'emplacement pour les bestioles, tant pis. La reine des assassins, la crypte. On améliore la crypte. Hop. Contactez les pirates. Oui, contactez les pirates. J'ai votre tribu. Boum. La plume de Milève pour une potion de destruction. Ça et de l'alcool. Quel enfer. Quel enfer. Hein. Le fric rentre, hein, mais c'est tard. C'est trop tard. Enfant de la nature, prétentieux, gothique, malin. Imbibard. Sage, malin, prosaïque. C'est que t'abuses. Courageux, sournois, allergique aux crustacés, un peu lent, fourbe à pute. Disciple de l'ombre appliquée, fourbe à pute. Voilà. Le dormeur, très bien. Ça fait une potion de nettoyage. Nettoie tout ta... Super, on est une référence en matière de lumière, magie des lumières. La maison est propre. Hein. Gros dormeur, ringard, érudit des arcanes. C'est pas malin, aisé, inébranlable. Hop là. Sage, laid, notre mauvais malin. Fourbe à pute.
double bibliothèque. Amélioration d'Ojos et Mentalistes. Bien d'acquisition, cloître des justes, chapelle du héros. Qu'est-ce qu'ils veulent les paysans? Une bonne tempête de feu devrait mettre tout le monde d'accord. La tempête de feu pour tout le monde. Voilà, ça vous apprendra à ouvrir votre gueule. Bon, potion de nettoyage, c'est utilisé. Mana de l'ombre, bannière du mal, corne des démons. Le hamster, il est disponible. J'ai votre tribu. Ambitieux, hyperactif, laid, moyen, mauvais, très bien, hop. Bibliophile, normal mais riche. Imbibard, courageux, laid mais stupide. Dégage, stupide. Dégage. Normal, enfant de la nature, courageux, asocial, pauvre. C'est que t'abuses. Populaire travailleur, brut amorphe. Notre mauvais fourbe pute. Bibliothécaire, félicitations. Maître des potions, félicitations. Maître des portails, félicitations. Héros. Tu peux pas le... Prêtre, très bien. Professeur de magie, excellent. Prêtre. Justicier, super. Remonteur d'horloge, je peux faire mieux. Cartographe, voilà. Là, on discute. Vitrine de trophées, chambre de la vérité, réfectoire lumineux du personnel. Voilà. C'est beau, hein, les démonologistes à côté des prêtres de la lumière. Chambre des démons et des assassins, prison. C'est quoi, je la mets là? Mais on peut même pas descendre. Oh, j'avais même pas analysé à quel point je m'étais puté avec ça. Quel enfer. Ok, tous les morts vivants sont morts, ça c'est la bonne nouvelle. Comique, prosaïque, médium. Neutre, normal, chaotique, neutre. Imbibard, gourmet, brut, stupide, aux chiottes. Notre mauvais résident allergique au pollen. Imbibard, petit dormeur, loyal, mauvais. Fourbe pute. Gothique hyperactif, sage, imbibard, courageux, très agressif, sournois, sec t'abuses, érudit des arcanes, sec pas, beau bibliophile, hop. On n'a pas d'observatoire, quoi, quel enfer. Plus de bibliothèque, mon gars. Oui. Bon, on a réussi à faire... Oh, ça y est. Attends, une seconde, j'ai les thunes. Ouais, c'est bon, j'ai les thunes. Tribu. Ah oh là là, c'est tellement proche. Beau et travailleur, loyal, mauvais, fourbe pute. Loyal, notre passionné, imbibard. Notre mauvais, claustrophobe. Secte abuse. Stupide aux chiottes. Un peu lent, les allergiques aux crustacéris. Secte abuse. Disciple de l'ombre.
four, ma pute. Qu'est-ce qu'ils veulent, les pécores? Eh ben, ils raquent du pognon, les pécores. Et putain, et ça, on n'aura pas le temps. Hein. Ah, je suis dégoûté. Deg. Tant pis. Fin de cette partie, mais c'est pas grave. Inquisiteur, très bien. Maître des portails, ok. Bibliothécaire, ouais. Maître des potions, ouais. Héros. T'as autre chose que héros? Maître de village, mage de village, ok. Grand prêtre, inquisiteur, maître des potions, justiciard, nécromancien, c'est classe, mais non, liche, ça c'est cool. Grand prêtre, maître mage de village, aventurier, tailleur de pipe, maître des runes, cartographe, non, aventurier, tant pis. Diablotin, pourquoi pas, page. Défenseur du village, non. Paladin, bien. Mort, non. Croque-mort, très bien. Artisan. Héros. Maître des runes. Aventurier, non. Assassin. Mage de village, non. Aventurier. Paladin. Moine du temps. Oh. Magie temporelle et magie sacrée, d'accord. Concevez deux manettes arcales en jouant une tarte sale, ok, très bien. Remonteur d'horloge, tant pis. Artisan. Enfant de cœur, liche, remonteur d'horloge, prêtre, mage de village, mort, aucun bonus, tant pis. Croque-mort, apprenti sorcier, non, paysan, mage de village, non, mage de village, non, assassin, non, maître assassin, non, mage de village, enfant de cœur, paysan. Bon bah, ça y est. Tant pis, on aura tenté ce qu'on aura pu. On va tenter le village. Alors, j'ai dû gagner un grimoire level 2. Commencer la partie avec deux capes d'équipement aléatoire. Commencer la partie avec une carte dragon turquoise. C'est la partie avec une carte dragon rouge. C'est quoi turquoise? C'est quoi rouge? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça fait? Arcane et ombre. Ombre, c'est noir normalement, ouais, tout à fait. Hein. Potion et ombre. Enfin, alchimie et ombre, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Le rouge, c'est général, il est bien. Puisqu'apparemment le chat a pas l'air de se mettre d'accord, on va faire la recherche soi-même. Alors,
Ok, dragon rouge et dragon turquoise, on ne sait pas ce que ça fait. C'est pas dans la soluce. Dragon vert, ça apprend la nature. Dragon blanc, la lumière. Dragon noir, les ombres. Dragon violet, les arcanes. Dragon bleu, l'alchimie. Dragon turquoise et dragon rouge, on ne sait pas. Donc on va partir sur un dragon rouge. Allez. Malédiction de paresse. Non. Ça. Santé mentale de vos étudiants se dégrade toute seule. Très bien. Ah, intéressant. Citadins, les étudiants sont plus aisés que d'habitude. Il y a des paysans. On s'y prend. La carte cochonnier, bannière du village et faction paysan plus 35. Salle de l'ombre et salle d'alchimie. Ouh, ça commence sale. Observatoire et pierre unique. Ah, salle de l'ombre, salle d'alchimie. Dès le début, si tu veux, paix. Mais cochonnier, c'est intéressant aussi. Allez, vendu. J'avoue, c'est OP. Hein. Alors, voyons voir. Beau sportif, enfant de la nature. Ah, d'accord. Donc, faut partir nature. Résilient, travailleur, appliqué. Ah, soit il génère plus de mana, soit il apprend les magies plus vite. Vaut mieux qu'il apprenne les magies plus vite. Et donc, comment qu'on les appelle, ceux-là ? Les pégus, allez. Les pégus, enfant de la nature. Boum, signature du directeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Élu de la lumière, érudit des arcanes. Oh la vache, ça c'est multiclasse aussi. Hein. On a alchimie et ombre, on a rien gagné. Hein. Alors qu'est-ce qu'on avait dit pour le dernier ? C'était les... Je me souviens plus. Il y avait les fourbes à pute. Et il y avait les... Paladash, j'avoue, Paladash. Paladash. Ah, c'est les sectabuses. Palabuse. Palabuse, c'est pas mal. Hein. Voilà, parfait. Arcane et lumière, ils sont en orange. Une multiclasse. Multiclasse. Ou alors on ignore complètement la lumière et on part sur des... on part sur des arcanistes. Ouais, on ignore la lumière. On ignore la lumière. Le symbole est classe, il peut rester. Hein. En vrai, on l'inverse. Hein.
Et boum. Et donc c'est pas les palalus, c'est pas les palabuses. Lumière, c'est pas ouf, hein, ouais, je suis d'accord. Lumière est vraiment utile sur cette map, really. Puis on l'inverse, hein. Allez. Palabuse. Très bien. Et donc, eux, c'est les paladins. Hop. Pécable. On a une sabre de l'ombre et une salle d'alchimie. On va peut-être pas placer celle de l'ombre. Hein. On la jettera, je pense. Alors, les règles de l'université. Inscription à 30 balles, dortoir payant, repas payant, étudiant issu de familles nobles, obtenir le soutien à la vaisselle, discipline stricte. Les femmes, enfin, très bien. Salle d'alchimie, vieillard amorphe, tranquille procédateur, correct, pédagogie bombe, mais il est vieillard et amorphe, donc dans la catégorie, il se déplace 0% vite, impeccable. Quant à la musique, oui, ma musique...